L'aventure, le voyage, c'est là, c'est maintenant. On se laisse surprendre, on s'ouvre, on prévoit rien. Juste de traverser la Bretagne en vélo, en autonomie totale, pour voir l'océan. À la force de nos cuisses, c'est parti pour 500 bornes. Eh ben il pleut, le vélo sous la pluie, et la Bretagne aussi. Quatrième jour. C'est pas facile. Sarah, t'en pouvais plus sur le vélo. Faut pousser son vélo, puis j'ai mal au cul. On s'est donc mis un peu de baume au cœur en se faisant un petit repas sympa. Menu du soir. Wow, coquillettes. Du rondelet. Les tomates, ça va être super bon. Un bon grand vin, une mission Saint-Vincent. Et le must du must, un carré de l'Est. Allez, bon appât. Vive le camping. Vive les vacances. Le glamping. Vachement bon. Ah, on a du savoir-vivre. Plan à la con. Un beau plan con. Ici, on est en Bretagne, dans le Finistère, au manoir de Penelly. Petit déj au château. Bon travail, les amis. Bon travail. Salut la vie. Salut la vie. De Poulaouen, résidence d'artistes et bric-à-brac. Plaisir simple, un lit. Bonheur. Oh. Étape du jour, Roscoff. Bon bah, on est arrivé à bas, sur l'île de bas. Et maintenant, on va explorer l'île et trouver où dormir. Le road trip, savoir s'adapter en toutes conditions.